Cher Gio, Paolo pense que suite aux confidences de P et à la dénonciation de son frère, il faut réagir et résoudre le problème au plus vite. Très cher Gio, si vous donnez après votre accord, sa voiture calcinée, 544 a enfin réfléchi et aimerait bien se charger d'éliminer celui qui a commis cet acte lâche. Gio, nous voulons te demander, dans la mesure du possible, d'envoyer un message fort au notaire et l'ensemble de sa famille. Nous avons reçu de nombreux témoignages sur leur méthode qui ne respecte rien. Je sais qu'ils n'arrêtent pas de dire du mal de vous et de notre cher ami Toto. Merci à toi, Zio. Nous sommes nombreux à estimer le nom du candidat qui nous demande de soutenir. Mes amis et moi avons déjà agi dans ce sens. Mon fidèle ami, cette grande cause qui est la nôtre requiert de la patience et toute la miséricorde de notre Seigneur. Il nous faut affronter des épreuves toujours plus nombreuses. La solution la meilleure n'est pas toujours la plus facile à mettre en œuvre. Mais tu sais aussi qu'on peut fermer les yeux un instant ou les fermer à tout jamais. Qu'est-ce qu'il fabrique ? Vous avez vu où il plante les pizzini ? Cette fois, on l'a. Enfin. À toi, le géant. Ouais, patron. C'est bon. Je peux téléphoner? Oui, il faut faire le zéro. Ça y est, j'ai fait ce que vous m'avez dit. J'ai pris un cliché du Pizzino et je l'ai remis dans l'ourlet. Vous allez voir une fille sortir avec un sac bleu. La voilà. Le Pizzino dit que quelqu'un doit se rendre ce soir chez le Zio. On dirait que le Zio attend de la visite. Cette fois, ce sera peut-être la bonne. Nous devons découvrir à qui il fait passer l'information. Là. C'est là que l'échange a lieu. Elle n'a plus le sac en plastique. Elle a passé le Pizzino à un autre. Peut-être lui, là-bas. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être, oui. On va le suivre. Alfieri, Africano. Suivez la punta verte. Oui, patron, bien sûr. Ceux qui sont incarcérés commencent à en avoir assez, je les comprends. Les conditions de vie en prison sont inhumaines et les révisions de procès sont repoussées. Non, mais qu'est-ce qu'ils croient, ceux-là? Qu'on s'amuse et qu'on n'essaie pas de les faire sortir? Ils n'ont jamais manqué de rien, que ce soit eux ou leur famille. On avait promis que les premiers seraient libérés au bout de 10 ans. Et ils ne voient toujours rien venir. Tout le monde nous casse les couilles avec cette histoire de promesse à 10 ans, alors que ça fait même pas 10 ans qu'ils sont en taule, ces cons. T'as pas le droit de parler d'eux sur ce point. Si vous le permettez, messieurs. J'aimerais dire quelque chose. Occhiuzo, tu as raison. J'avais promis qu'en 10 ans, j'aurais arrangé les choses pour tout le monde. Force est de constater que c'est bien plus long que prévu. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Recommencer à poser des bombes? Pourquoi pas? Tu peux bien me dire ce que ça nous a rapporté, cette trêve avec l'État? Cette trêve nous a permis de redémarrer en silence, sans nous faire remarquer, et nous avons repris notre progression. Si nous recommençons notre guerre contre le gouvernement, nous serons réduits en pièces. Une nouvelle fois. Le jour où notre magnifique organisation sera devenue invisible et ne fera plus peur à personne, ce jour-là, nous obtiendrons la révision des procès et la fin de la détention inhumaine. Mais la route est très longue.
celle de Moïse. Plus les jours et les mois passent, plus notre terre promise se rapproche. Et c'est moi qui vous y conduirai. Regarde au fond de tes poches et dis-moi si tu as beaucoup plus d'argent qu'il y a 10 ans ou 20 ans. La guerre coûte, la paix rapporte. Parlez avec ceux qui se plaignent, avec ceux qui sont en prison, à ceux qui ont besoin de nous, et dites-leur que quand Zio fait une promesse, il la tient. Que Dieu vous bénisse. Ralentis, ralentis. Ne t'approche pas trop. On a vu juste, patron. Ça va faire 3 heures qu'il tourne en rond. Parfait. Ne les perdons pas. Ça ne risque pas. Vas-y, roule le géant. On va essayer de se rapprocher d'eux. Faites très attention. Soyez tranquille, Zio. C'est prévu pour ce soir. Personne ne doit savoir. Personne. Il s'arrête. Un homme va monter. Plutôt distingué, bien habillé, une sacoche à la main. Il lui a enlevé ses lunettes. Et on dirait qu'il prend quelque chose. Avance un peu, Africano, je vois pas bien. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il lui colle un truc sur la tête. Il lui bande les yeux. Il lui bande les yeux pour qu'il ne sache pas où il va aller. C'est donc lui qui va rencontrer le Zio. Je préviens les autres. À toutes les unités, c'est notre homme. Restez à distance. Vous pouvez sortir, docteur. Tout s'est bien passé? Oui, pas de problème. Excusez-nous, docteur.
Allez-y, entrez. Ah. Tout le monde est prêt, patron. Qu'est-ce qu'on attend, patron? Il est là, en face de nous, à 150 mètres. Ok, très bien, on va le cueillir. Faro est le bras droit du Zio. Et si le médecin est venu, c'est pour lui, alors où est-ce qu'il est? Il est peut-être encore dans les parages. Il est peut-être plus près qu'on ne le croit. Donne-moi cette lampe. Envoie-moi tous les hommes disponibles. Il faut ratisser la zone. Anna demande des renforts. Tout ce que tu peux. Prévois un hélico. Monsieur le procureur. Alors, Alfieri, ça donne quoi? Les yeux, et pour vous, tout est normal. Hein? Du calme, Roberto. Ben, ils vont voir si je vais me calmer. Qu'est-ce que vous voulez? Vous pouvez l'emmener. Il n'allait pas voir n'importe quel patient, et il le savait très bien. Peut-être. Peut-être. Mais ni lui, ni Faro ne parleront. Alors, calme-toi. Innocent. Moi aussi, je suis innocent. Tiens, tu l'entends? Tous innocents! Ils n'ont rien fait, ils sont tous innocents! Il est innocent. Mais il avait des pizzini à remettre au Zio.
Et ça, qu'est-ce que c'est? Un médicament pour la prostate. Il y en a 6 boîtes. Soyez le bienvenu, Zio. Qu'est-ce qui est arrivé? Quelque chose a mal tourné. Quelque chose ou bien quelqu'un? Quelqu'un qui revendiquait la place de Benedetto Faro. Et peut-être bien celle d'un autre. Il y a des preuves de ça? Non. Pas de preuves. Une certitude. Occhiuzo et les frères Schizza. Ce sont eux, Zio. J'en suis certain. Si vous le voulez, avec votre permission, je peux m'occuper de tout. Non, ça attendra un peu. Il faut que je voie un médecin. Vous n'avez pas de soucis à vous faire, Zio, je m'en occupe. Il y a d'excellents généralistes à Palerme. Oui, mais ce n'est pas si simple. Ça ne peut pas être n'importe qui. Quand je suis arrivé, il y avait les flics pour me cueillir. Donc ils savent maintenant. C'est la liste des médecins qui ont été concernés de près ou de loin par une enquête sur la mafia. Il y a quelques noms illustres. Et aussi plusieurs urologues, dont celui qu'on a chopé l'autre soir avec Faro. Il faut tous les mettre sous surveillance. En priorité, les urologues. Et donc, il nous faut des renforts. Vous savez pourquoi l'homme que nous recherchons fuit la justice depuis 40 ans? Est-ce que vous vous êtes demandé pourquoi il est le seul parmi les membres de Cosa Nostra à avoir survécu aux guerres de la mafia? Et aux arrestations? Après les meurtres des juges Falcone et Borsellino? Et pourquoi il est le seul sur qui aucun repenti n'a jamais su dire quoi que ce soit? Et comment il a laissé derrière lui un nombre infini de morts sans qu'on en trouve aucune trace? Parce que c'est le plus intelligent. Le plus malin, le plus prudent. C'est peut-être le seul dont on a un portrait, qui date de si longtemps que son visage a complètement changé depuis. Donc, si on le traite comme n'importe quelle personne en fuite, on le coincera pas. Je comprends pas. Vous voulez dire qu'on ne doit pas mettre les médecins de la région sous surveillance? Mais si, bien sûr. Il ne faut rien négliger, donc faisons-le. Mais au fil des années, j'ai appris à le connaître et à comprendre sa façon de raisonner. Donc je sais qu'il ne prendra pas le risque d'aller voir un médecin qui a été mêlé même de très loin à la mafia. Il voudra quelqu'un de propre, comme le médecin qu'on a interpellé chez Faro. Peut-être même qu'il renoncera à consulter un spécialiste, parce qu'il sait que ce sont eux qu'on surveille le plus facilement. À mon avis, il ira chez quelqu'un de moins connu. Bon, et alors? Il cherchera sans doute à se procurer ce médicament. Donc, en plus des médecins, il faut surveiller les pharmacies, relever l'identité de chaque personne qui viendra acheter ça. Surtout si c'est en grande quantité. Y a rien d'autre? Si. Vous allez aussi m'éplucher les prescriptions. Et les commandes passées ces derniers mois. Amusez-vous bien. Alors, docteur? Eh bien, monsieur... Caruano. Monsieur Caruano. Je préfère ne pas faire de diagnostic. La seule chose que je peux vous dire, c'est que vous devez passer des examens plus approfondis. Le plus vite possible. Suivez mon conseil, le mieux serait de voir un spécialiste.
Pourquoi? Pourquoi? Parce que je ne suis pas compétent, parce que... Parce que je soigne des pathologies beaucoup plus banales. Non, non, non. C'est très grave. Bien, monsieur Karouan, je préfère que vous voyiez un spécialiste. Mais si vous savez ce que j'ai, dites-le-moi. Vous avez une tumeur. Une tumeur? Combien de temps est-ce qu'il me reste? Je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas de quel type de carcinome il s'agit. Je ne sais pas s'il est agressif ou non. J'ignore complètement s'il faut opérer, si on peut le soigner, s'il existe des traitements efficaces. Tout ce que je peux faire, c'est vous orienter vers un établissement spécialisé. Voici les noms de deux confrères chirurgiens. Ils sont compétents, très compétents. Tu le sais, non? On se voit dimanche à la messe? Oui, à dimanche. Au revoir. Au revoir. Comme à chaque fois, il n'est rien. Qu'est-ce que vous espériez? Qu'elle allait tout balancer d'un seul coup au téléphone? Non, mais... Parlez-moi plutôt du ton de sa voix. Il était comment? Normal. Comme d'habitude. Ou bien elle ne sait pas encore que son mari est malade, ou bien elle sait déjà que ce n'est pas grave. Continuez à l'écouter. Bien sûr, patron. J'écoute, je file, je planque aussi. La vie des autres, c'est ma spécialité. Ça veut dire? Rien du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez qu'on parle de votre vie, c'est ça? Non, je serais incapable de vous dire quoi que ce soit. Roberto? Oui, oui. Je peux t'en parler, moi, de ta vie, si tu veux. C'est vrai, maintenant, je te connais par cœur. Je sais aussi que ce qu'il te faudrait pour être beaucoup plus heureuse, eh bien, sache que tu l'as sous la main. Mais oui, c'est ça, allez. Bosse un peu, ça changera. J'ai la liste des pharmacies qui ont été contrôlées. Alors, qu'est-ce que ça a donné? Hé, hey, Marc, regarde ça. Achimina. Il n'y a que deux pharmacies. Je sais bien, Alfieri, dis-moi autre chose. Eh bien, comme par hasard, hier, deux personnes différentes sont venues pour acheter trois boîtes de ce médicament. Ah. Mais Timina est à 30 km du lieu où on est allé cueillir Faro. Bravo. Mais tu sais qui c'est? J'ai pu avoir les noms. On est en train de vérifier tout ça. Bien joué. Faut aller vite. Faut aller vite. Ça ne me sert plus à rien, tout ça. Qu'est-ce qu'il t'a dit? L'échographie que vous avez passée chez le médecin, je l'ai montrée à un spécialiste à Palerme. Il m'a dit que c'était très grave. Comment ça, très grave? La tumeur est très étendue. Il faut faire vite, Zio. Vous devez vous faire opérer rapidement. Oui, mais il faut aller à l'extérieur. Comment ça? À l'extérieur, ailleurs. Ici, la police surveille tous les hôpitaux. Il me faut un endroit sûr et loin. Tâche de me trouver ça. Mais il me faut du temps pour repérer les bonnes personnes qui auront les bonnes relations. Il te faut du temps? Est-ce que tu sais combien de temps il me reste? Moi, non. Seul le Tout-Puissant le sait, ça. Mais moi, j'ai la foi. Une foi, inébranlable. Surtout, personne ne doit savoir, tu entends? Personne. Personne ne le saura. Mais il va falloir se méfier de tout le monde pour ne pas éveiller les soupçons. Depuis que la police a arrêté Faro, certains occupent le terrain. Qui occupe le terrain? Les frères Skiza.
Ils se sont alliés à Okyuzo. Et lui songe en profiter pour s'agrandir. Vous le savez, Zio. À force de s'agrandir, les plus gourmands auront certainement envie de tout prendre. Alors si vous me donnez votre bénédiction. Il n'y a que le Saint-Père qui donne sa bénédiction. Je voudrais voir ma femme. Je vais m'en occuper. Je vous baise la main, Zio. Fais attention à toi, surtout. Allez, va. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Dieu vous bénisse, messieurs. Bonne journée, Don Pepe. Bonjour, Don Pepe. Bonjour. Bonjour, Don Pepe. Bonjour. Ça va bien? Oui, passez une bonne journée. Bonjour, Don Pepe. Bonjour, même chose que d'habitude. Oui, tout de suite. Tu diras à ton père que je veux le voir. On va te crever, espèce de bâtard! Où tu vas, fils de pute? Reviens là, on va te crever! Oui, tu es enfoiré! Là, regarde! Du ciel. Vous devez veiller, parce que seul le Seigneur sait où et quand votre jour viendra. Permettez. Négatif, véhicule inconnu. Bonjour, 32, je vous écoute. Envoi du rapport pour vérification fichier. Accréditation, connexion fichier. Pepino Schizza, chef d'entreprise. Il était un peu comme un frère pour Benedetto Faro. Et puis, plus tard, sur la route de Palerme, ils ont aussi éliminé son frère, Salvatore. Ça pourrait être un règlement de compte pour bénéficier de la protection du Zio. Tu comprends? C'est la position de Faro qui est en jeu. Et probablement que l'un d'eux l'avait déjà conquise. On a vérifié tous les achats de médicaments à Chimina. Et alors? Ils paraissent tous justifiés. Comment ça, ils paraissent? Ouais, deux bergers qui ont effectivement des petits problèmes de prostate. Les prescriptions sont réglo, en tout cas. Oui, mais eux, qui sont-ils?
Qui sont leurs amis? Ont-ils des antécédents? Et leurs parents? On doit tout savoir, tout, même s'ils ont eu les oreillons ou peut-être la rougeole. Vous n'avez pas encore compris ou quoi? Celui qui a commis ces meurtres est sûrement assis aux côtés du Zio. Allez, retournez au boulot. C'est pas vrai. Tuer, c'est facile. Un homme, une bête, il n'y a pas de différence. Et quand on l'a fait une première fois, après c'est de plus en plus facile. Les frères Skiza, c'était un duo de traîtres. Ça fait longtemps qu'ils complotaient avec Okyuzo. Et celui-là, c'est le plus traître de tous. Eh bien moi j'ai envie de discuter avec lui. Sauf votre respect. Moi je crois qu'Okyuzo profite de votre bon cœur et de votre générosité. C'est justement pour ça que je veux lui parler. Les frères Skissa étaient fidèles à Pharaoh. Alors maintenant qu'il a été arrêté, ils auraient bien voulu monter dans un autre wagon. Ils cherchaient à faire de nouvelles alliances pour pouvoir continuer leur trafic, et ce n'était pas correct. D'après ce qui se dit un peu partout, ils étaient passés chez Okyuzo. Okyuzo. Un nouveau qui essaie de gravir les échelons. À part ça, je ne sais rien d'autre. Et si je vous parle d'un vieillard qui est malade? Très malade, il paraît. Je vous souhaite de passer une bonne journée, monsieur le flic. Ils nous ont repérés. Ils ont laissé un joli bouquet de chrysanthèmes sur le capot de la voiture. Moi, je préférais qu'on parte, patron. Le Zio sait que ce n'est pas son intérêt de buter des flics. Depuis quand? Un certain temps. Les chrysanthèmes, c'est bien pour les morts, non? Oui, et on est vivants, justement. Non, non. Du calme. On est des flics comme les autres, et on enquête sur un meurtre, c'est tout. Bonjour. Bonjour. Où est-elle?
Là, à côté. Ça fait 2 heures qu'on vous attend. Pourquoi est-ce que tu pleures? Ça fait longtemps que tu ne m'as pas vue et tu pleures. Tu as si mauvaise mine. Tu es fatiguée. Viens. Assieds-toi. Comment tu vas? Dis-moi, qu'est-ce que tu as? Je suis content. Je suis si content de te revoir. Je me moque complètement du reste. Pour moi, ce qui compte, c'est que tu ailles bien. Que tu ailles bien et que tu le fasses savoir. Je vais bien. Je vais bien, très bien. Les enfants. Bien. Les enfants vont bien. Je ne t'ai jamais dit que tu avais été parfaite pour les élever. Mais avec moi, tu as été plus que parfaite. Et moi, pour te remercier, je t'ai rendu la vie impossible. Pourquoi tu me parles comme ça? Comment comme ça? Comme si tu étais en train de me dire adieu. Qu'est-ce que tu racontes? J'arrive et tu voudrais que je te dise au revoir, hein? Je sais que tu ne vas pas bien, mon amour. Dis-moi ce que tu as. Ah, rien, rien, je n'ai rien du tout. J'ai beaucoup marché et ça montait. Dis-moi la vérité. Dis-moi. Si, on veut une réponse tout de suite au Pizzino. Qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce que vous croyez, les petits rigolos? Qu'on peut dire non au Zio? Donc vous lui direz oui. On y va. Nino Morra. Surnommé Occhiuzo à cause d'une cicatrice vieille de 30 ans. 7 ans qu'il fuit la justice. Chef de la circonscription d'Alcamon. Encore un paysan. Membre de la garde rapprochée du vieux. C'est lui qui a commandité les meurtres? Non. Il veut devenir le bras droit du Zio. Mais quelqu'un l'en empêche. Et comment? En tuant 2 hommes qui étaient proches d'Occhiuzo, pour l'affaiblir et lui faire comprendre que c'est perdu d'avance. Je confirme, patron. J'ai le code de Pizzini et de Faro. Ah. Ce sont des chiffres qui remplacent les lettres. Le A correspond au 4, le B au 5, et ainsi de suite. Une méthode grossière, mais pas si évidente. Tu permets? En fait, le problème, c'est la grammaire. Apparemment, c'est en option chez eux. Et alors? Et alors, il parle d'Occhiuzo. Ça a l'air d'aller mal pour lui. Il s'est un peu trop agrandi. Il a fait élire un de ses copains chef de la circonscription judiciaire d'Agrigente, en disant qu'il avait eu le feu vert de Zio. Mais c'était faux. C'est pas bien, ça. Donc, il est dans la merde. Bah oui. Si on le boucle, peut-être qu'il parlera. Ouais, si on le boucle. Viva. Bon, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire?
Hey, c'est Nino mort. Venez me chercher, je suis au Tropical Bar. Ouais. S'il vous plaît. Oui, monsieur. Un verre de mousseux. Oui. Et bien frais. Mais encore un peu, allez. Mon verre. Mais calmez-vous. Viens avec nous. Allez, viens. Du calme. Les carabiniers sont arrivés avant vous. Ils ont reçu un coup de fil anonyme, quelqu'un qui voulait se débarrasser de Kyuzo. Ah ouais, sans blague, il est pas fou. Il a préféré se rendre. Et tu veux que je te dise? À mon avis, il va parler. T'as raison, il a même commencé. Il a dit que le soir où tu as arrêté Faro, le Zio était à une centaine de mètres de la ferme. Que le médecin était là pour lui. Et maintenant, il est entre les mains des carabiniers. Super, non? Il y a des fois où il vaut mieux ne pas chercher à comprendre. Et il sait où le Zio se cache? Non. Depuis l'arrestation, il est beaucoup plus méfiant. Il a changé de réseau de protection. Oh, ils ne le trouveront jamais, alors. La seule piste qu'on ait, c'est le tout dernier contact de Kyuzo avec deux bergers de Chimin. Chimin, là? Oui, pourquoi? Hier, on a interrogé deux bergers de Chimin en suivant la piste des pharmacies. Tiens, faut que tu manges, toi, t'as maigri. Si c'est bien eux, on garde l'enquête, d'accord? La femme de Kyuzo a disparu. On a vu quelqu'un venir la chercher dans la nuit. Il paraît qu'il y avait son frère, et son cousin aussi. Lui, on ne l'a ni vu ni entendu. Oh, Kyuzo, c'est vendu à la police. C'est pour ça que je vous ai trouvé un autre endroit. Je vous avais dit qu'il fallait se méfier de Kyuzo. Maintenant, il faut prendre en compte ceux qui sont plus ou moins proches de lui. Faire très attention. Et rappeler à tout le monde qu'on ne doit pas parler, surtout dans les endroits fermés. Les hôtels, les restaurants, les maisons, les voitures. Il vaut même mieux ne pas parler du tout. Celui qui reçoit l'information doit connaître celui qui la lui apporte, mais aussi celui à qui il la donne. Personne ne doit jamais savoir qui l'a eu en premier, ni qui l'a eu en second. Comme ça, si quelqu'un parle, il ne balance pas toute la chaîne. Oh. Tu as trouvé un moyen, alors? Oui. Il paraît que c'est le meilleur spécialiste de toute l'Europe. Même le contact est quelqu'un de sûr. J'ai seulement besoin d'un peu de temps pour organiser tout ça. J'ai confiance en toi. Et je sais que tu ne peux pas échouer. Zio, pour moi, échouer, c'est comme trahir. Et moi, je ne trahis pas. Hmm. Il y a encore un autre problème. Les expatriés ont décidé de revenir. Certains vous attendent déjà en disant que les décisions prises par les comités il y a 20 ans ne doivent pas être modifiées. Aller vivre en Amérique ou mourir en Sicile. Mais c'était une autre époque. Il y avait la guerre et nous l'avons gagnée. Aujourd'hui, tout a changé. Il faut leur parler et les raisonner. À mon avis, avec eux, il faut être plus clair. Parce qu'à Palerme, personne ne veut discuter. Qui est-ce qui ne veut pas discuter? Ils sont plusieurs. Mais il y a surtout le clan Panay. Parce qu'ils disent à tout le monde qu'il y a 20 ans, ce sont eux qui ont pris la décision. Et qu'on ne peut pas revenir sur ce qui a été décidé. Et que ça ne suffit pas de faire des promesses. Mais moi, les promesses, je les ai toujours tenues. Et je dis qu'aujourd'hui, c'est de paix dont on a besoin. Une nouvelle guerre serait un désastre pour tout le monde. Tu vas organiser une rencontre avec les Paranais. Je veux leur parler. Vous nous avez parlé de deux bergers de Chimin. Ce sont eux qui vous ont remis le Pizzino de la part du Zio, n'est-ce pas? Oui, c'est bien ça. Et tout ce que je sais, c'est que ces deux-là aident le Zio. Ce sont eux? Ouais. Je sais pas comment vous avez fait, mais c'est bien eux.
Bien, vous allez tout nous raconter. Tout ce que vous savez. Tout ce que je sais, qu'est-ce que ça veut dire? Comment il parle, comment il se déplace, comment il s'habille, ce qu'il mange, comment il te serre la main, s'il te regarde dans les yeux, tout. Je ne comprends pas, vous voulez savoir comment il mange, comment il serre la main, parce que vous voulez le boucler? J'ai envie de connaître mon adversaire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Absolument tout ce que vous savez sur lui. Tout ce que je sais sur lui, eh ben... Ce qui m'a le plus marqué, ce sont ses mains. Il a de ses mains grandes, aussi blanches que du plâtre. Après, il aime bien le miel. Mais pas n'importe lequel. Ah, et il aime la musique. Il aime bien Claudioville. Et Mina, il adore la voix de Mina. Il aime bien aussi la musique du film Le Parrain. Si, si, c'est vrai. Il y a quelques années, quand Le Parrain est sorti, il s'est fait accompagner au cinéma 5 fois pour aller revoir le film. Et puis, ce que tout le monde sait au sujet du Zio, c'est qu'il est extrêmement croyant. Il a la foi, il a toujours une Bible avec lui. Il la lit, il écrit des choses, il a 3 crucifix aussi, pendus à son cou. Il les embrasse, il les touche, il est comme ça, voilà. Il est comme ça. Il dit toujours que tout ce qu'il fait est la volonté de notre Seigneur. Voilà ce qu'il dit. Qui sont ces hommes de confiance? Ah, des hommes, il y en a un tas. Et je vous ai déjà donné ceux que je connais. Ah, mais de confiance, il n'y en a pas beaucoup. Il se fie presque à personne. Et de quoi a-t-il peur? De rien du tout. Si, d'une chose. Il a peur de la guerre. Quand il a fallu la faire, il l'a faite. Quand il fallait tirer sur des hommes politiques, il ne se défilait jamais. Mais aujourd'hui, non. Une guerre aujourd'hui, ça risquerait de faire échouer son plan. Quel plan? Celui qui doit rendre Cosa Nostra invisible, tout comme lui. Il ne vit de rien. Il est richissime. Il a tellement d'argent que même lui ne sait pas combien il en a. Il pourrait partir en Amérique du Sud, mettre tout un pays à ses pieds, mais au lieu de ça, il vit dans une pièce, il dort dans un sac de couchage, toujours le même, un sac de couchage bleu. Et avec ses chaussures, au cas où il faudrait fuir. Un homme qui vit traqué. Et qui ne se permet jamais rien, non? Pourquoi il vit comme ça? Ça sert à quoi? Et vous, là? Pourquoi vous mettez autant d'énergie à le coincer? Vous n'avez pas de famille? Vous vivez bien à Naples? Allez profiter de votre famille qui vous oblige à faire ça. Qu'est-ce qui vous retient ici? Moi, je suis là pour l'arrêter. Et lui est là pour commander. Vous devez savoir que commander, c'est encore mieux que baiser. Oui, mais moi, je suis du bon côté. Lui aussi, il dit qu'il est du bon côté. Je vous remercie tous d'avoir répondu à mon invitation. Signe que nous n'avons pas complètement perdu la tête. Parce que cette folie qui nous a coûté tant de sang et tant de larmes, cette folie, nous pouvons y mettre un terme et nous remettre à penser à nos affaires. À quoi ça nous a servi de faire la guerre? À donner bien du chagrin à nos mères, à nos femmes, nos enfants. Voilà à quoi ça a servi. Le pardon est quelque chose qui se fait rare en ce monde. Moi, je suis prêt à pardonner. Oublier, non, c'est impossible. Mais pardonner, oui. Moi-même, je vous demanderai pardon si je commets une erreur. Ça y est, ils sortent. Où est-ce qu'ils vont? Ils ont des cannes à pêche. C'est qu'ils vont à la pêche? Quelle intuition. Bon, allez, viens, on y va. Ils pêchent, ces cons-là. Ils pêchent du matin au soir. Je croyais qu'ils étaient bergers. Bergers et pêcheurs à la fois. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On n'a pas le choix, on attend. Bien, alors on attend. Dis donc, géant, j'espère que nos 2 amis bergers vont nous mener quelque part. Ou alors ça veut dire que le père Gyozo s'est bien foutu de notre gueule.
Ça fait quelques jours que sa voix est un peu voilée. Comme si elle était moins naturelle. Comme si elle faisait un effort pour parler des choses les plus banales. Il y a quelques jours, j'ai même eu l'impression qu'elle s'est mise à pleurer. Elle a peut-être compris ou appris que son mari était malade. Si c'est ça, il est très malade. Ou alors elle est triste parce que son mari lui manque. Roberto ? Oui ? Le géant est au téléphone. Il dit que les bergers sont sortis, qu'ils ont changé de programme. Pas de pêche aujourd'hui. Tout à l'heure, ils ont fait comme s'ils allaient à la pêche. Et puis, ils ont pris la direction de la montagne. Il vaut mieux qu'on reste à cette distance. C'est une bergerie. T'as noté la plaque ? Ouais, je l'ai prise. C'est pas la peine de traîner ici, on s'en va. La rencontre avec Pane est prévue jeudi. Il vaut mieux se préparer avant d'y aller. Si jamais le Zio n'arrive pas à le convaincre à sa façon, il faudra peut-être employer d'autres arguments. Alors, comme Pane est une grosse ordure, il se pourrait très bien qu'il lui vienne l'envie de nous faire une surprise à sa façon. Vous voyez ce que je veux dire ? On va s'en occuper. Francesco Manara, surnommé Ciccio. On est arrivé jusqu'à lui en suivant les bergers de Chimina, hein? Patricolo et Ciccio. Encore une vieille connaissance. Il a une condamnation définitive pour trafic de stupéfiants et association mafieuse. La mafia paysanne. C'est le profil préféré du Zio. Celui-là, il faut le mettre tout de suite sous surveillance. Roberto, tu sais que Palerme arrive au premier rang des villes où sont pratiquées les écoutes téléphoniques et la surveillance électronique. Tu ne vas pas remettre ça. Ce n'est pas moi, c'est le ministère qui fait pression. Le dernier courrier est d'avant-hier, tu en veux une copie ? Non, merci. On nous demande de limiter les frais et toi tu voudrais de nouvelles autorisations ? Comment on les attrape à ton avis, les mafiosi ? En leur jetant des miettes de pain ? Oui, pourquoi pas, ça me paraît être une très bonne idée. Tu sais ce que je lui réponds, moi, à ton ministre ? D'abord il nous enlève les repentis et là il veut nous sucrer des micro-espions. Pendant qu'il y est, il n'a qu'à légaliser la mafia, comme ça on pourra tous rester chez nous. Non, je t'avertis d'un problème et je te demande d'en tenir compte. Et moi je te réponds de les envoyer se faire foutre. Et à part les envoyer se faire foutre, qu'est-ce que tu proposes ? Rien, j'avais envie de me défouler. Alfieri, avec moi. Imagine un peu quand il arrêtera de fumer. Voilà, ça y est. La maison et la voiture de Manara sont sous surveillance. Il n'y a plus qu'à faire un essai. Tout est prêt. Les chiens ? Ils dorment comme des bébés. Et là, comment ça va ? Fais attention, Alfieri. Ce matériel coûte une petite fortune. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Oh, Africano, prends ton temps. On a toute la nuit. Vas-y doucement, si une tuile n'est plus à sa place, ils le remarqueront tout de suite. On veut nous retirer les micros, et on leur pose des panneaux solaires. C'est quand même pas ma faute s'il n'y a pas d'électricité ici. Allez, allez. Putain, qu'est-ce qu'elle est belle. Mais, et voilà le patron. Oh. Écoute-la. Écoute-la comment elle dit « Oh ». Tu m'entends ? C'est marrant. Même quand elle teste les micros, je craque pour elle. Vous m'entendez ? Est-ce que c'est grave, patron ? 1, 2, 3, test. Vous m'entendez ? Tu peux m'éteindre ça ? Bien sûr, patron. Vous m'entendez ? Ah, c'est pas vrai, ils m'entendent pas. Oh ! Vous m'entendez, oui ou non ? À mon avis, il y a un problème avec le micro parce qu'ils m'ont pas entendu. Qu'est-ce que c'est ? Non, c'est rien. Une idée. Ben dites donc, la pêche a été bonne à ce que je vois. Quand le Zio est là en personne, ou le poisson est bon, ou il est bon. Une petite question. À votre avis, il aimera notre poisson ou l'autre abruti ? Ah, peut-être.
Une chose est sûre, l'autre abruti plaira beaucoup aux poissons. Manahara a chargé Patrick, Colo et Chicho. Ils ont pris la route de Bagheria. Surtout, ne les perdez pas de vue. Allez, Africano, roule, roule! Passe rouge! Allez, allez, allez! On est derrière eux, patron. Une autre voiture s'est intercalée. Bien reçu, faites très attention. Fais gaffe, putain, ils vont nous repérer. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas la route. Je vérifie quelque chose. Qu'est-ce qu'ils foutent? Pourquoi ils tournent à droite? Vas-y, mollo, reste à distance! Ça y est, il manquait plus que ça. Comment on passe maintenant? Eh ben justement, tu passes pas. Ils nous couvrent et c'est très bien. Mais t'as envie qu'on les perde ou quoi? Ralentis, pense. Mais qu'est-ce qu'il fout à tourner comme ça sans arrêt? Bien que la dépression se rapproche, le temps devrait se maintenir au moins jusqu'au début de la semaine prochaine. Je ne m'étais pas trompé. Après, la tendance est incertaine. Ils ont monté d'un seul coup le volume de la radio. Peut-être qu'ils se disent quelque chose sur ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont tourné deux fois de suite, on dirait qu'ils reviennent sur Villa Bat. Ils ont tourné d'un seul coup? On dirait, ouais. Abandonné. Patron, c'est la première fois que cet abruti met le nez dehors, on va pas le laisser tomber maintenant! Je vous dis d'abandonner! Mais on leur colle aux fesses depuis ce matin, patron! Laissez tomber! Je commence à avoir faim, moi. Pourquoi est-ce qu'on n'enverrait pas deux de nos gars chercher quelque chose? Du pain et des panelles. Hein? Quoi, t'as pas confiance? C'est moi qui paie. Par charité chrétienne? Non, tu sais, des gens qui entrent, des gens qui sortent. Moins il y a de mouvement de personnes, mieux c'est. Tu comprends? Ce que je comprends, c'est que ça fait 4 heures qu'on est ici à attendre. Et il va falloir que tu patientes encore un peu. C'est pas comme si le Zio sortait de chez lui. Montait dans sa voiture et arrivait tranquillement jusqu'ici. Le Zio doit prendre ce qu'on appelle certaines précautions. Et pourquoi il ne prend pas d'avance alors? Le Zio part quand il doit partir. Et arrive quand il doit arriver. Le voilà. Tout va bien, Zio? Bien, bien. Toutes mes excuses pour ce léger retard. Je vous en prie, Zio. C'est une joie de vous voir. Et vous avez l'air en forme. Oui, grâce à Dieu. Je vous salue, Zio. Bonjour, messieurs. Installez-vous. Voilà ce qu'on va faire. Les deux petits, ils vont rester là. La décision était claire. Si les Capello voulaient vivre, ils devaient rester en Amérique. Et aujourd'hui, voilà que ces putains d'expatriés reviennent. Mais qui leur a permis de faire ça? Le temps. Tout ça remonte à plus de 20 ans. Avec tout le respect que je vous dois, Zio, le comité les avait condamnés à mort. La parole du comité, c'est pas comme de la ricotta périmée. Nous savons que Cosa Nostra a fait trop de morts. Beaucoup trop. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce sont des bras. Des bras pour travailler et des têtes pour penser. Les morts font venir d'autres morts.
Et parfois quelques crapules aussi. Zio, ceux-là sont de la pire espèce. Dans leurs veines coule le sang de Totuccio Capello. Oui, et alors? Ce sang est le même de père en fils, et même au-delà. Et c'est à moi que tu viens dire ça? À moi? Qui était ici il y a 20 ans? Qui était ici et qui commandait il y a 20 ans? C'est moi qui commandais, moi et Toto. Et ensemble, on a fait la guerre au Capello, à eux et à tous les autres, avec ces mains-là. Tu comprends ça? Ou tu l'as déjà oublié? Nous, dans le passé, nous avons fait de bonnes choses. Nous avons fait des bonnes choses, des choses justes, mais aussi des choses... des choses noires, des choses... forte, très forte. Au milieu de tout ce bordel, entre nous et aussi avec l'État. Ah, nous l'avons payé cher, très cher. Pour remettre sur pied toute l'organisation, on a été obligé de se cacher, la tête enfouie dans la terre. Mais aujourd'hui, grâce à Dieu, Nous pouvons sortir la tête, nous relever et regarder le monde qui n'est plus le même monde qu'hier, mais un nouveau monde. Et nous, dans ce nouveau monde, nous devons nous comporter d'une manière, disons, nouvelle. Avant, je dois faire quelque chose. Le moment venu, je m'expliquerai. Mais aujourd'hui, notre cause ne doit plus voir le sang couler. Alors je te le demande. Ne touche pas aux expatriés. C'est lequel? Le multidirectionnel chez le Zio. Mais qu'est-ce qu'il a? Il est bon pour la casse, voilà ce qu'il a. Quand je pense qu'on était entré dans cette baraque par miracle. C'est sûr, avant qu'il la laisse sans surveillance. Et de nuit, parce que de jour à Corleone. Oui, mais d'une manière ou d'une autre, faudra y retourner. Et moi, je dis qu'il faut attendre. Il faut attendre. On fait que ça, attendre. Attendre que Manara parle. On attend que sa femme et son fils aillent prendre l'air. Et puis on attend que le Zio fasse un faux pas. On fait que ça, attendre! Ça bouge chez Manara. Quelqu'un est entré. Combien? Prends-en deux, on verra bien. L'un d'eux est sûrement Manara. Don Ciccio. Doucement, je t'ai dit. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils déplacent des choses. Ils sont en train de sortir. Et comme ça, on se fait baiser. C'est pas sûr. Vous salue, Don Ciccio. Oh non, mais regarde-moi ces fringues, tu dois les faire craquer les femmes, hein? Sûrement pas autant que vous. Ah, j'ai plus ton âge. Mais viens, viens. Qu'est-ce que tu regardes? Rien. Assieds-toi. On va parler un peu sérieusement. Tu veux bien enlever? Oh, excusez-moi, Don Ciccio. Alors dis-moi, Matteo, où tu en es? C'est pour bientôt. Y a pas de souci. Au contraire, je me fais du souci et c'est normal.
Parce que le Zio y tient beaucoup et il ne peut pas du tout attendre. Oui, ça se comprend. Mais nous, c'est bon, ça y est, on est prêts. Vous pouvez dire au Zio de se préparer. Quand alors? En principe, on devrait rencontrer la personne demain soir et après, ce sera parti. Bien, c'est bien. Le Zio va être très content. Maintenant, on va manger une bonne assiette de pâtes avec 2 ou 3 sardines. Faut absolument qu'on sache qui est avec Manara. On ne peut pas passer par là. Mais lui, pour repartir, il n'a que 2 possibilités. À droite et à gauche, là. Si Africano se poste à cet endroit et le géant ici, il ne pourra pas nous échapper. Il faut qu'on relève la plaque de ce Matteo. On n'arrivera jamais à temps. Il faut traverser tout Palerme. Mais qu'est-ce que vous attendez pour prendre une moto, alors? Dépêchez-vous! Il me faut cette plaque, et vite! En moto, d'accord. C'est moi qui conduis. Oh, arrête, toi, t'as le pied qui ne touche jamais la pédale de frein. Théo, encore une chose. Pas un mot. Ouais. Dans ta voiture, chez toi, au téléphone, pas un mot. Cette rencontre n'a tout simplement jamais eu lieu. Soyez tranquille, Don Chicho. Je ne dirai pas un mot. N'oublie pas que je te fais confiance. Ne me déçois pas, hein? Oh! Va te planquer, il arrive! Alors, à qui elle est? À Matteo Canistra, le fils du chef de la famille de Villabate. Ça ne t'étonne pas, on dirait? Si, bien sûr que ça m'étonne. Les Canistra ne sont pas du tout comme Zio. C'est même tout le contraire, ils aiment bien dépenser leur fric, et encore plus le montrer. Femmes, boîtes, peut-être même drogue. Rien à voir avec le Zio. On devrait peut-être aussi surveiller son téléphone mobile, histoire de mettre des noms en face des numéros et de faire des recoupements. Il a parlé d'après-demain soir. Il a dit qu'il devait voir quelqu'un. Après-demain, le chef de la famille a 70 ans. Ah. Ils vont faire une fête à la villa. Parmi les invités, il y a la moitié des gens les plus importants de Palerme. Nous aussi, on est importants. Alors, on sera présents. Champagne. Messieurs, champagne. Merci. Ah bon, je t'avais pas vu. Patron. Canistra est allé un petit peu à l'écart avec un homme, il lui a remis une enveloppe. L'autre sort. Vous allez bientôt le voir. Décris-le-moi. Un grand maigre, pas beaucoup de cheveux. Vous n'aurez pas de soucis à le repérer. C'est le seul à ne pas être en tenue de soirée. C'est bon, je l'ai. Et Canistra? Il parle à son frère dans un coin. Il dirait que tout se passe comme prévu. Surtout, ne le perds pas de vue. Nous, on va essayer de savoir qui est cet homme. Mais d'où il sort, cette espèce d'imbécile? Dis donc, toi, viens un peu là. Dis donc, tu
fais exprès, toi, ou quoi? Je te dis de servir à droite et toi, tu vas servir à gauche. Je suis désolé, je me sentais pas bien. Si tu ne te sentais pas bien, pourquoi t'es venu alors? J'ai une famille à nourrir. Et puis, qui tu es? D'où est-ce que tu viens et combien tu mesures? Je suis nouveau, c'est la première fois. Et c'est la dernière. Tu finis ton service et je ne veux plus jamais te revoir. Maintenant, dépêche-toi de faire le tour avec ton plateau. Ce n'est pas la peine de le tenir aussi haut. Comment veux-tu que les gens se servent? Bravo, le géant. Moi, à ta place, j'aurais craqué. C'est tous des gros cons. Ah, du calme, géant. Bon sang, et où est-ce qu'ils sont? Qui ça? Les canistres, je les ai perdus. Comment ça, perdus? Qu'est-ce que tu veux dire? Ils sont tous autour du vieux pour le voir souffler ses bougies. Mais les fils ont disparu. Putain, mais c'est pas vrai. Et alors, vous les avez retrouvés? Pas vraiment, non. Mais c'est pas vrai, ils doivent bien être quelque part. C'est lui? C'est lui. Vous savez qui c'est? On a de la chance sur ce coup-là. Il travaille à la mairie de Villabatte. Il a déjà été mêlé à une histoire de détournement. Il s'appelle Calogero Presti. Mm-hmm. Oui, c'est logique. L'appel reçu par les Canistra à 22h30 venait de la mairie. Hein? Non, mais attends, c'est très important ce que tu dis. Laisse-moi réfléchir. Donc, notre Calogero Presti reste au travail jusqu'à 22h30. Ensuite, il appelle les Canistra et va les rejoindre à la soirée. D'accord? Il reste quelques minutes et il repart. Le temps pour lui de donner l'enveloppe. Mais qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir dans l'enveloppe? Quelque chose en rapport avec son travail. Quelque chose qu'il ne pouvait pas faire à son bureau. Matteo. Quoi? Est-ce que tu l'as déjà vu? Non. Le Zio. Comment il l'appelait avant? Le bulldozer. Ah, et le bulldozer. Là où passe le bulldozer, l'herbe ne repousse pas. Combien il en a fait massacrer? 50? 100? 200? Combien il y en a eu? Peut-être que c'est qu'une légende. Peut-être qu'il y en a eu plus. De toute façon, c'est l'histoire ancienne, tout ça. Ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Mais aujourd'hui, si c'est encore lui qui commande, c'est qu'il y a une raison, non? Bien sûr, il se sert de ça pour maintenir un semblant d'équilibre. Il est un peu comme un président par intérim, il a tous les honneurs, mais pour ce qui est du pouvoir, on lui laisse plus grand-chose. Alors si c'est ça, pourquoi on est ici à l'attendre? Parce que si tu rends un service au Zio, en plus un service aussi important que celui-là, t'as tout à y gagner. Si t'es dans les petits papiers du Zio, ça veut dire que tu brasses beaucoup de fric. C'est pas rien ce que tu viens de dire. C'est vrai. Décider qui doit mourir et qui doit vivre, qui pourra avoir du fric et qui devra vivre dans la misère. Tu crois pas que c'est ça, le pouvoir? T'es gentil, Giuseppe, mais tu commences à me prendre la tête. Alors s'il te plaît, ferme-la un peu et pense plus à rien. Dio, je vous baisse la main, c'est un grand honneur pour moi. Tous mes respects, Zio. C'est toi, Giuseppe? Oui. Matteo. Pour vous servir, Zio. N'oubliez pas, il doit y avoir 3 voitures. Oui, oui. 2 devront ouvrir la route. Comme vous voudrez, Zio. Nous, on va aller vous attendre plus bas. Allons-y. Tu viens? Admirez un peu le talent, patron. Mais au fait, il est au courant? Votre pote, le procureur. Il sait bien qu'ici, c'est pas comme dans les provinces du Nord. Qu'est-ce que vous insinuez, patron? Que parce qu'on est en Sicile, tout le monde est corrompu? Il en suffit d'un. Et il y en a toujours un là où il faut pas. En plus, ici, quand on demande des clés, tout le monde est mis au courant. Alors il faut la main divine d'Africano. Faut surtout que tu sois rapide. Et que tu ne laisses aucune trace. Non, il n'y a rien. Apparemment, il a travaillé comme il travaille tous les jours. Mais il a bien dû faire quelque chose. Sinon, pourquoi il serait allé à cette soirée? En plus, c'est un chef de service. Il a pu aller sur n'importe quel terminal. Non, je ne vois rien d'anormal dans ces dossiers, patron. Si on veut y regarder de plus près, il va falloir faire des copies. Ouais, si tu crois que c'est utile, alors faisons-le. Ouais. Ça y est, je l'ai. À 21h08, Presti, du service de comptabilité, est entré dans la base de données de l'état civil.
Et alors? Ce qu'il est allé faire n'avait rien d'officiel. Et il a tout effacé. Ne nous affolons pas. Aucune donnée ne peut être complètement effacée. Il y a toujours une solution. Tiens, attrape ça. Ouais. Cette chose s'appelle Ghost. Comme tout fantôme qui se respecte, il travaille dans l'au-delà. Et décrypte l'impossible. Tiens, il est là, regarde. 2 minutes. Il s'ouvre. Ouais, ça y est. C'est un tableur pour carte d'identité. Il a imprimé une carte au nom d'un certain Spada Pasquale, né à Chinisi, le 26 février 33. 70 ans. L'âge du Zio. Regarde s'il existe réellement. Il est déjà titulaire d'une carte d'identité. Moralité, patron. Maintenant, il y en a 2. Dont une pour lui. Oui. Et pourquoi il veut une carte d'identité? Zio, est-ce que vous permettez qu'on mette un peu de musique? Vas-y, vas-y. Mais est-ce que vous avez une préférence, Zio? Oui, Mina. Est-ce que tu as ça? Oui, oui. Tenez, regardez. Don Chicho nous a laissé des consignes et on a tout prévu. C'est Vito dans la première voiture. Je t'écoute, Vito. C'est bon, j'ai compris, oui. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'une patrouille de police fait des contrôles un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on fait? Il vaut mieux qu'on sorte, Zio. Est-ce que la voiture est propre comme je l'avais demandé? Immaculée. Alors tu vas continuer tout droit. Téléphoner à la deuxième voiture et leur dire de suivre mes instructions. Il est en train de leur faire son numéro. Parfait. Continue à rouler, tranquillement. Continue comme ça. Vous avez vu, Zio? Les petits jeunes sont prêts à se faire tuer pour vous. Oui, encore faut-il que j'envaille la peine. Ça y est. J'ai fait l'historique des coups de fil passés par Matteo Canistra avec son mobile ces 3 dernières années. Quelques contacts avec des personnes vaguement liées à la mafia, mais rien d'extraordinaire. Par contre, j'ai relevé un contact étrange avec une Française. Une Française? Oui, une femme qui s'appelle Aude Dufay. Il y a 2 ans, il s'appelait plusieurs fois par semaine. Et puis ensuite, plus rien. Jusqu'à la semaine dernière. Pourquoi il se serait de nouveau intéressé à cette femme, tout à coup? J'en sais rien. Si le Zio a fait appeler cette femme, c'est qu'il y a une bonne raison, et c'est ça qui me dérange. Peut-être qu'il n'a pas eu le choix. Un médicament pour la prostate. Il y en a 6 boîtes. Et comme par hasard, hier, 2 personnes différentes sont venues pour acheter 3 boîtes de ce médicament. 2 bergers qui ont effectivement des petits problèmes de prostate. Ça fait quelques jours que sa voix est un peu voilée. C'est une chose. Naturel. Il a peur de la guerre. Ah, des hommes, il y en a un tas. Il travaille à la mairie de Villabat et il a déjà été mêlé à une histoire de détournement. Il s'appelle Calogero Presti. Le vieux est malade. Très malade. Sa femme le sait. C'est pour ça qu'elle est triste et qu'elle pleure. Vous aviez vu juste, Fiore. Donc, il doit être hospitalisé. Mais bien sûr, pour lui, en Italie, c'est trop risqué. C'est là qu'entre en jeu les Canistra. Ce sont eux qui lui procurent la carte d'identité pour qu'il puisse partir. Et qui ont le bon contact à l'étranger. Aude Dufay. C'est donc elle que nous cherchons. Elle représente le seul lien identifié à ce jour. Elle représente aussi un point de chute en France, puisque c'est probablement elle qui a trouvé le bon hôpital pour le Zio. Paris. C'est pire que chercher une aiguille dans une botte de foin. Ça peut très bien être ailleurs qu'à Paris. Cette femme est propriétaire de 2 autres apparts. Elle travaille aussi à Lyon et à Marseille. Oui, mais on sait que c'est à Paris que Canistra a téléphoné. Fiore, renseignez-vous sur le premier vol pour Paris. Alors, ici, on allume la lumière. Oui.
Ici, c'est pour nous appeler. Mm-hmm. Et ici, c'est pour régler le lit. Pour lever. Baisser. D'accord. Donc, vous avez compris, là, c'est la lumière. Ici, vous pouvez appeler une infirmière, si jamais vous avez besoin de quelque chose. Et avec cette télécommande, le lit peut être réglé dans plusieurs positions. Ça ira? Oui, merci. Bien, je crois que c'est tout. On va vous apporter le dîner. Vous allez pouvoir vous installer avant de manger. Mademoiselle, monsieur, au revoir. Bonsoir. Ne vous inquiétez pas, monsieur Spade. Vous êtes dans une des meilleures cliniques du sud de la France. Et dans de bonnes mains. Nous sommes entre les mains du Tout-Puissant. Quoi qu'il en soit, je vous remercie. Allez m'attendre dans le couloir. Au revoir. On peut s'y fier à celle-là? Oui, à 100%, Dio. Tu en es bien sûr. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer, Dio. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose? De me reposer. Alors, si vous le permettez, on va aller manger quelque chose, parce qu'après le voyage... Je vous laisse nos numéros de portable. Il y a les nôtres et celui d'Aude, comme ça, si jamais vous avez besoin de quelque chose, vous pourrez... Maintenant, je te dis, je veux jouer. Je vais tout casser là-dedans. Putain, arrête, Mathéo. Mais qu'est-ce que ça veut dire, cette connerie? Comment ça? Plus de crédit. Ça veut dire que t'as beaucoup perdu, c'est tout. Et qu'est-ce qui décide de ça, hein? Un petit caissier de... Merde, là! Mais pourquoi tu t'énerves comme ça, Mathéo? Ah, à qui je dois casser la gueule, alors? À celui qui a foutu un plafond à ta carte! Putain, t'as raison, le chef de l'agence. Je vais lui dire de venir ici et il va le bouffer, son fric. Mais il est 5h du matin, tu crois qu'il va te répondre? Rien à foutre de l'enquête! Arrête, Mathéo, calme-toi. Attends, toi, je t'ai pas sonné. Doucement. Alors, ferme-la, d'accord? Non, mais il est devenu fou, ou quoi? Allô, Maria? Mathéo, mais il est 5h du matin, qu'est-ce qui se passe encore? Trouve-moi le numéro de téléphone du directeur de la banque. Dépêche-toi! Dis-moi ce qui se passe, Mathéo. J'ai plus de fric, voilà ce qui se passe! Bon, d'accord, ça va, t'énerve pas. Oui. De quel endroit? D'accord. Mathéo Canistre a appelé sa femme du casino d'Aix-en-Provence. À côté de Marseille. La fille a un appart dans ce coin-là. Vaut mieux changer de programme. Et on nous remboursera jamais les billets d'avion. On va quand même à Paris, et de là, on partira à Marseille. Et c'est nous qui payons, bien sûr. Bien sûr. J'avais déjà bossé sans être payé, mais payé pour bosser, ça, je l'avais jamais fait. Faut pas vous en faire, Dio. Ça va bien se passer. Vous inquiétez pas, Dio. On vous attend ici. Comptez jusqu'à 10. 1 2 3, 4, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
Oui, oui, je vous entends. Oui. Il faut prendre la prochaine à gauche. Après, c'est tout droit et on arrive. Bien. Bien, merci. Oui, merci. Alors, ils disent quoi, nos collègues français? Ils nous attendent là-bas. Théo, tout s'est bien passé. Le docteur a dit que vous étiez solide comme un roc. Et que vous aviez beaucoup de chance. C'est le Seigneur qui m'a sauvé la vie. Je dois vite m'en aller d'ici. Il faut que j'achève ma mission. Il va falloir patienter encore un peu. Vous ne pouvez pas sortir comme ça. Il faut d'abord vous remettre sur pied. Le chirurgien a dit que ce serait dans quelques jours. Grâce à Dieu. Rien dans la cuisine. Ah, le journal d'hier. Ah, voici un supplément. Peut-être quelque chose. Ça, c'est un ticket de bar. Et ça, c'est un ticket de parking. La même rue, le même jour. Et presque à la même heure. Fais voir. Mais... 3 heures pour prendre un cappuccino, ça fait un peu long. Ah. Tiens, regarde cet autre ticket. 2 jours plus tôt. Et dans le même parking. Je n'ai pas de mandat, j'entrerai. Je te dis d'attendre les flics français, sinon ça va nous retomber dessus. Mais ils sont juste devant moi, les flics français. Ils se traînent. Vas-y, accélère, allez. Roberto, ne fais pas de conneries. La chambre de Monsieur Spada. Spada. Police. Vite, vite. Spada. Chambre 512, cinquième étage. 512. Merci.